Smile and learn. Bonjour de nouveau. Ceci est la seconde vidéo sur les drapeaux de l'Europe. Ne rate pas l'antérieur. C'est parti. Une croix nordique blanche sur un fond rouge. C'est le drapeau du Danemark. Danemark. Trois bandes. Une blanche, une bleue et une autre rouge avec le blason du pays d'un côté forment le drapeau de la Slovaquie. Slovaquie. Ce drapeau aussi est blanc, bleu et rouge, mais le blason est différent. Il est un peu élevé et il est plus petit. C'est le drapeau de la Slovénie. Slovénie. Deux bandes rouges et une jaune plus grande, avec un blason d'armes d'un côté. C'est le drapeau de l'Espagne. Espagne. Ce drapeau a une bande bleu clair, une autre noire et une autre blanche. C'est le drapeau de l'Estonie. Estonie. Un autre drapeau avec la croix nordique. Cette fois, il est bleu et il est sur un fond blanc. C'est le drapeau de la Finlande. Finlande. Ce drapeau est très connu. Bleu, blanc et rouge. C'est le drapeau de la France. France. Regarde combien de croix ce drapeau a. Elles sont sur un fond blanc. C'est le drapeau de la Géorgie. Géorgie. Ce drapeau a beaucoup de bandes bleues et blanches. Et dans un coin, un carré avec une croix. C'est le drapeau de la Grèce. Grèce. Rouge, blanc et vert. C'est le drapeau de la Hongrie. Hongrie. Un drapeau avec des bandes vertes, blanches et oranges. C'est le drapeau de l'Irlande. Irlande. De nouveau un drapeau avec la croix nordique. C'est une croix rouge et blanche et elle est sur un fond bleu. C'est le drapeau de l'Islande. Islande. Tu connais ce drapeau? Il est aussi très connu. Vert, blanc et rouge. C'est le drapeau de l'Italie. Italie. Ouf, ça fait beaucoup de drapeaux, pas vrai? Nous allons faire une révision rapide. Danemark. Slovaquie. Slovénie. Espagne. Estonie. Finlande. France. Géorgie. Grèce. Hongrie. Irlande. Islande. Italie. Tu penses que c'est tout? J'ai bien peur que non. L'Europe a beaucoup plus de drapeaux. Découvre-en plus dans la prochaine vidéo. À bientôt! Tu as aimé la vidéo? Nous en avons beaucoup plus! Abonne-toi à la chaîne de Smile and Learn en cliquant sur le phoque. Ah, et si tu veux continuer à apprendre, clique sur les encadrés.